Good morning, Alaydan, les sujets aujourd'hui, le Nishmat Janine Rud, Bez Fortune, Mazal Fritna, Léachaya, Batmazal Tov, Lucien Batraina et Claude Chomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Gitin, Perek Gimel, Mishnah Dalet. Shlosha Dvarim Amar Rabbi El Azar Ben Pirata, Lifne Chachamim, Ve Kiyimu et Dvarav, Al Ir Sheikifua Karkom, Ve Al Asfina Mitarefet Bayam, Ve Al Yotse Lidon, שהן בחזקת קיימין, אבל עיר שכבשה קורקום, וספינה שעבדה בים, והיו יצא להיהרג, להיהרג, נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. בת ישראל לכהן, ובת כהן לישראל, לא תאכל בתרומה. En rapport avec la Mishnah précédente, où on avait appris que, si on en voit, on avait parlé de חזקת חי. Vous vous rappelez? Cheskat Bechaim, c'est que quelqu'un me nomme Shaliach pour aller faire une certaine action, que si jamais il meurt, eh bien, l'action que je vais faire ne pourra plus fonctionner. Par exemple, divorcer sa femme, s'il est mort avant que je donne le guet, sa femme ne sera pas divorcée parce qu'elle est devenue veuve. Ou encore, permettre à une Kohenet, une femme de Kohen, une bâtisseuse mariée au Kohen, tant qu'elle est mariée, elle mange de la Trouma, si son mari meurt, elle ne peut plus manger de la Trouma. Son mari est parti à l'étranger, elle veut savoir ce qu'elle est vivant. On avait pris encore comme ça, il y avait quand même une troisième halakha à propos du korban khatat, on ne va pas tout reprendre. Et donc, à savoir, donc, quelqu'un a une importance essentielle de savoir si une personne est encore vivante ou il est mort. Ça peut être pour donner son guet, ou ça peut être pour que sa femme mange de la trouma. Ou inversement aussi, entre parenthèses, comme on en parle à la fin de la Mishnah. Si jamais elle-même c'était une fille de Cohen, qui s'est mariée avec un Israël. Tant qu'elle est mariée à l'Israël, elle ne peut plus manger de la trouma. Dès que son mari meurt, si elle n'a pas d'enfant, elle peut remanger de la trouma. Et on cherche à savoir, est-ce que son mari est vivant ou pas? On avait appris que, pour le moment, on laisse les choses Bechezkatan. Que s'il était Bechezkatraï, présumé, c'est des présomptions, des suppositions que, jusqu'à preuve du contraire, on présume que les choses n'ont pas changé d'état. C'est la règle des Chazakot. Donc son mari était vivant, il reste vivant. Maintenant, on va entrer dans les dernières limites possibles de savoir est-ce qu'il est encore en Bechezkat Chai ou est-ce qu'il est déjà mort ou pas. On avait parlé d'un cas d'un vieux monsieur, on avait dit qu'il est encore vivant, allez savoir est-ce qu'il est mort ou pas. D'accord, on n'a pas parlé qu'il y a eu une certaine de quelques semaines qui sont passées. S'il était vivant, il n'y a pas de raison de craindre qu'il est mort. À présent, maintenant, on va s'intéresser aux dernières limites. À trois cas de figure. Shlosha Dvarim, dans trois situations, Amar Rabbi Elazar Ben Prata, il y avait un Tana qui s'appelait Rabbi Elazar Ben Prata. Il a témoigné que dans trois situations, l'ifnei chachamim, il a témoigné dans les chachamim, et qui m'ont dit, ils ont approuvé ces paroles. Al-ir sheikifu akarkom. Il y avait une ville qui avait été assiégée par un karkom. Un karkom, c'est un régiment de l'armée du roi qui a entouré une ville dans l'espoir de la conquérir. Pour le moment, ils ont installé le siège. Il y a eu un chaliar qui a réussi à sortir de cette ville, ou bien il y a un Cohen qui est dans cette ville, qui a une femme qui est restée dans une autre ville qui n'a pas été assiégée. Et on cherche à savoir maintenant, est-ce qu'on le soupçonne encore, est-ce qu'on le suppose, le présume encore vivant ou non. Et sur ça, la Mishnah me dit, pour ces trois cas de figure, qu'on va le présumer encore vivant. Si juste la ville a été assiégée, ou encore, Valasfina Mitarefet Bayam, on a un bateau qui est Mitarefet Bayam, qui est en train de tourner sur elle-même dans la mer. Précisément, on parle d'un bateau où les matelots ont perdu le contrôle du bateau, et ils n'arrivent pas à le dominer, il y a une forte tempête, mais pour le moment, le bateau, il est entier. Et si jamais on sait qu'en ce moment, il y a le bateau qui est là-bas, sa femme, qui est Kohenet, elle a le droit de manger de la trouma, ben elle ne va pas soupçonner que le bateau, il a peut-être coulé, et que finalement, alors, on a vu. Quelqu'un va nous dire, j'ai vu de loin son bateau, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Eh bien, on ne soupçonne pas qu'il est, on ne présume pas qu'il est mort. Même si c'est une situation délicate, on va le maintenir sur sa cheskat chay. Il était vivant, il reste vivant jusqu'à preuve du contraire. Ve'al ayotze lidon, ou encore celui qui est en train de partir pour se faire juger, il a un acte d'accusation qu'il a peut-être tué quelqu'un. Si jamais il l'a tué, il va se faire aussi trancher la tête. Il va se faire tuer lui aussi. Pour le moment, on sait qu'il a son procès. Et moi, je quitte sa ville. Ouais, imaginez que j'étais son chaliar pour emmener le guet à sa femme. Alors qu'il a son procès la semaine prochaine.
Il est en train de se préparer pour son procès, il avait de la fond avec les avocats. Il écrit un guet à sa femme parce qu'il a peur de peut-être qu'il va rester, qu'elle va être veuve et qu'il préfère qu'elle soit divorcée. Il me donne à moi le guet, moi je le quitte et je viens vite en Israël. Je suis dans les deux semaines, trois semaines qui suivent. Peut-être qu'il a déjà été jugé, peut-être qu'il a été jugé, qu'il a été condamné à mort ou pas. Il était vivant, je l'ai quitté vivant, je le laisse, Becheskat Chai. Shehen Becheskat Kayamin, pour le moment, tous ces gens sont présumés être encore vivants. Ils étaient vivants, ils restent vivants. À la différence du Kav, l'Ir Shekavshua Kavkom. Par contre, c'est une ville qui a été conquise par le régiment des ennemis qui sont venus. Ça veut dire que moi, j'ai vu, il m'a nommé Shaliach, je suis sorti en dehors de la ville, et puis finalement j'ai vu que, ça y est, ils ont réussi à casser les remparts de la ville, ils ont commencé à pénétrer dans la ville, donc allez savoir ce qui s'est passé, c'est sûr qu'ils ont fait un carnage à l'intérieur. À l'époque, il n'y avait pas des règles du jeu dans la guerre c'était la guerre, on tuait tout le monde, d'accord? On tuait tous les ennemis, on prenait les enfants et éventuellement les femmes en tant que servantes, et c'était fini, on zigouillait tout le monde. Donc maintenant, moi, il m'a nommé Shaliach, je suis sorti de la ville, et puis finalement, j'ai vu qu'ils ont commencé, le siège, il a commencé maintenant à pénétrer dans la ville, et à détruire les maisons une après l'autre. Alors, est-ce que maintenant, il est Becheskat Chai ou pas? La Mishnah veut dire que c'est un Safek, comme ce qu'on va voir tout de suite. Donc, Avalir Shekavshua Karkom, cette fois-ci, le Karkom, donc les ennemis, ils ont déjà conquis la ville. Ou Sina chez Avdabayam, il y a un bateau qui a été perdu dans la mer. Plus précisément, c'est quoi un bateau qui a été perdu dans la mer? Alors, le Barthénois, il ne nous le dit pas, mais cette fois-ci, on a besoin du Tosot Yom Tov, qui va nous dire cette fois-ci, on a vu que la coque, elle a déjà été fissurée, fendue. Elle a déjà pris, le bateau, il a déjà pris un sale coup. Donc, logiquement, très probablement, il a déjà probablement coulé. Peut-être qu'en dernière minute, elles ont essayé de sauver, on n'en sait rien. Vers Yotzel et Areg, ou encore quelqu'un, il a été jugé par le Bedin. Moi, je l'ai quitté une fois que le procès il a été, on a tranché qu'il était condamné à mort. Maintenant, est-ce que finalement, concrètement, ils l'ont tué ou pas? Moi, j'ai encore son guet à donner, ou encore sa femme, qui a envie de continuer à manger la trauma. Sur ça, on lui dit non, notni malem chumrei chaim ve chumrei metin. On ne sait pas, peut-être qu'il a été tué, c'est même fort probable. Malgré tout, on n'en est pas sûr, donc on va lui donner les chumrot des vivants et les chumrot des morts. La Gemara précise deux avis sur ça, mais je crois que le Rambam, il retient que... Non, le Roche, plutôt, il retient qu'en fait, on parle, c'est qu'un Bedin chez Israël, par contre, si c'est un Bedin de Goy qui a dit qu'on condamne à mort, une fois qu'ils ont dit qu'ils condamnent à mort, ils condamnent à mort. Bedin Israël, il y a une halakha spéciale, que même une fois qu'on a tranché, et donc, ouais, que même une fois qu'on a tranché, peut-être que finalement, ils ont rappelé, parce que sinon, on va retrouver encore quelqu'un. J'explique un peu mieux. Lorsqu'on a tranché dans un Bedin Israël qu'on doit le tuer, on va le prendre, on va partir pour aller le tuer. Si jamais il y a quelqu'un qui va nous dire attendez, venez, on recommence à juger, on va tous se réunir et on va rejuger de nouveau. Donc quelqu'un qui est condamné à mort chez le Bedin Israël, même si on a déjà tranché la sentence, c'est pas dit que finalement il est concrètement mort, peut-être que ça a été récupéré. Alors que chez les Goïms, c'est pas comme ça. Une fois qu'ils ont tranché, ça y est, on ne conteste plus, c'est mort, on le tue. Et donc dans tous ces cas de figure, on lui donne les... Donc là, donc notre Michel ne parle que d'un Bedin chez Israël, que peut-être qu'il n'est pas mort, parce qu'un Bedin chez Goïm, c'est sûr qu'il est mort. D'accord? Donc concrètement, entre ces trois cas de figure, on a donc, je reprends, la ville qui a été conquise par les ennemis, là, le bateau qui a déjà été... Il a déjà tapé le rocher, la coque a été fendue, donc il a probablement commencé... Il a commencé à couler. Et ou encore... Le procès, le verdict a été prononcé qu'il était condamné à mort dans un bedin de juif. Dans ces trois cas de figure, on va donner à la femme un statut de... on va donner au mari un statut de safek. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est encore en vie? De ce fait, le guet, on ne pourra surtout pas le donner. Si toutefois on l'a donné, elle sera safek et megourechet. La Kohen, alors là, il y a les deux cas de figure. La Mishnah nous dit, Bat Israël la Kohen, si c'est une fille d'Israël, qui était mariée à un Cohen, et donc tant qu'elle est mariée, elle a le droit de manger la trauma. Dès que son mari est marié, elle a le droit de manger la trauma. Est-ce qu'elle peut continuer? Elle ne peut plus continuer. Ou inversement, si, au bat Cohen et Israël. Si c'était une fille de Cohen qui était mariée avec un Israël, donc qui n'avait pas le droit de manger. Si son mari est mort, elle a le droit de manger. On n'est pas sûr qu'il est mort. Dans ces deux cas, l'otochal betourma, cette femme ne pourra pas manger de la trauma. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.